Oh, mais c'est pas vrai, il est déjà là, il est tombé du lit. Ah putain, oui, ça passe. Ah, je suis bleu, quoi. D'habitude, c'est plus tard que ça, quoi. Les 73, 51, Gilles. 9 bras, 4, oh putain, ça y est. 14 kilomètres, 33, 01, Rémi. Oh putain, je crois qu'il n'y a pas que le café qui a dû être bon. J'ai pas pris d'apéro ce midi pourtant, mais c'est comme si je l'avais pris là sur le coup. T'as oui, là je m'entends dans le web SDR. J'ai pas testé, j'attendais, on va dire 15h par là, avant 15h, 15h30. Et là je vois à 14h25, la propague est déjà ouverte, alors que j'entends personne d'autre que toi. Ok, d'accord. Eh ben tiens, pendant que tu bricoles et tout, pourquoi t'enverrais pas les vidéos en même temps là sur le serveur? Là, si tu te souviens comment on a fait hier, c'est voilà, ben là tu refais pareil et tout, tac. Et puis là, pendant qu'on papote, eh ben ça part sur le serveur. Surtout que là, t'as du retard parce que là, on est le 10. T'as encore le toute la journée du 8 et aussi celle du 9. Plus après à suivre aujourd'hui, hachis trois coups. J'ai pas tout compris. Ça a très bien marché là hier. Ce que tu as envoyé, ça a fonctionné puisque là c'est déjà en ligne et partagé même. D'accord, ok. Là, ben, j'entends que toi, quoi. 14 km 71,05. Non, je n'entends pas de mon côté. D'accord, ok. Alors, attends. Là, j'ai une oreille là sur le web SDR. J'en ai mis qu'un seul web SDR. Si hier je n'avais lancé deux, alors ça fait trop cacophonie, quoi. J'y comprenais plus rien, quoi. Donc là, ok, c'est bon. Alors, attends, je suis en train de faire un truc. Voilà, c'est nickel. Ok. Ouais, je disais donc, là hier, ça. Mais, de toute façon, si tu veux que je te réexplique là pour comment faire pour réenvoyer là, les vidéos là sur le serveur, moi il n'y a pas de problème. Hein.
Ouais, ça baisse un petit peu, ça je ouais, c'est mais ça passe bien quand même, hein. C'est vrai que j'ai pas enlevé le filtre pour voir comment ça donnait, mais moi je t'entends très bien, hein. C'est quand je te fais répéter, je suis désolé, mais c'est par rapport à l'accent et des fois c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. C'est mais autrement c'est une radio de 5, moi ici, hein. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça, là, c'est un petit peu timide là pour le moment. Mais bon, je t'entends quand même, il n'y a pas de souci, hein. Ah ben là, on dirait que tu m'entends plus là, pour le coup. Oh là, c'est petit. Putain, j'allais dire un déconneur, il passe fort, le monsieur. Oui, monsieur. Mais là, ça passe petit, là, pour le coup. Oh, ben là, c'est parti dans les choux. Bon, je crois que... Eh bien, on va faire une petite pause et puis on reviendra tout à l'heure. Ouais, je crois qu'on va faire comme ça. Une petite pause là, pour le moment. Là, ouais, 14h30 passées de mon côté. Puis bon, ça ira certainement mieux tout à l'heure. Hola, Radio 05, Santiago 0. Alors là, t'es sous la neige là. Là, t'as la tête sous la neige là. Je t'entends plus. Ok, allez, à tout à l'heure quand ça ira mieux. Ah, ça remonte un petit peu. Bon, bah le tout à l'heure est déjà rendu maintenant. Alors, ça repart à nouveau. Bon, ok, allez. Là, de mon côté, je vais regarder les messages et tout ça, tac. Je suis sur le forum, là, pour le moment. Là, je regarde un peu les messages et tout. Je vais aller après sur Facebook, voir les messages. Et puis, d'ici tout à l'heure, on verra ça. De toute façon, je reste sur la fréquence, moi, il n'y a pas de problème, hein. Wow, c'est calme maintenant, c'est calme. C'est calme juste à l'instant, mais juste avant, c'était... Bon, bref, passons. Bon, alors, ça y est, t'as fait le ménage dans ton téléphone. Ah ben, 1, 2, 3. Ah si, ça marche. Ouais, c'est QRP, hein. C'est toi, je t'entends bien. Bonne radio de 5, mais c'est. Ah, si, ça monte un petit peu. Non, non, pas vraiment. J'ai rêvé. Hein. Signal de 7? Ah, quand même! Ah ben là, tu viens de me faire une petite pointe à 5. Toi, ça tourne entre 3 et 5. Alors que ce soit de mon côté comme du côté d'Ottawa, c'est effectivement c'est calme. Hein. C'est ouais, donc là, puisque tu m'entends là, ça y est, t'as été rapide pour faire le ménage dans ton téléphone. Oui.
Ah ben oui, je vois ça, quoi. Ouais, elle vient de passer des deux côtés, là, la mitraillette. C'est moi qui ai des gaz. Non, non, je sais pas ce que c'est du tout, hein. J'ai aucune idée. Ou si c'est des gaz d'une sorte de robot qu'on connaît pas. Ah, tiens, je t'ai entendu en même temps un petit peu là, très QRP dans le WebSDR d'Ottawa. Donc, toi, là, il y a quand même de la propague. Mais c'est les OM qui sont pas là. Quoi. Pourtant, il est quelle heure? Ici, il est, ah ben, il est 4 heures ici, enfin 16 heures ici. Ah ben, ils sont peut-être. Non, ils sont pas encore à l'apéro, c'est trop tôt, quoi. Ou trop tard. Ouais, on est peut-être au début. On est peut-être au début, là, j'entends des fois. Attends, là, chez toi, il est. Eh ben, oui, il est 10 heures, là, chez toi. C'est ouais, mais c'est étonnant, hein, comment c'est calme. Parce que la propague, elle est là, hein. La preuve, on se parle. Mais attends, c'est en train de monter là. Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière, je relâche le micro. Oui, la station qui a lancé appel en avant. Bon, il m'entend pas. Ouais. Soit tu t'entends faux ou soit tu prends des notes. Le problème, c'est que là, j'ai entendu juste, ça a été très bref, hein. J'ai pas entendu d'indicatif ou quoi que ce soit, juste un petit passage très bref. À moins que ce soit notre ami, soit que tu me disais tout à l'heure. Oh, le travail se fait toujours là du côté de l'ordinateur, c'est bon, ça part. Ok, donc là, tu vois, là, maintenant, tu peux faire simplement qu'un seul fichier vidéo, hein, c'est tout, hein. Ou le minimum, enfin, beaucoup moins que ce que tu faisais avant, hein. Là, t'as plus besoin de t'emmerder, là, maintenant. Non, non, c'est ça, là, c'est pratique, puis tant que la mère Noël, elle se vient bien gênée. Oh, t'as dû lui faire quelque chose qui a plu, toi. Il faut que je me retienne parce qu'elle écoute les vidéos de temps en temps, Rémi. Bon, putain, on va en profiter pour raconter un maximum de conneries alors. Qu'est-ce qu'elle déteste? Ouais, on va commencer par là. Quels sont les trucs qu'elle déteste le plus? Ouais, j'ai pas eu tant pour faire TSL, Rémi, au dernier passage. Ça
acheté la F1, là, fait que ça c'est tout le genre de moi. Bon, c'est pas grave, c'est des conneries. Oui, c'est ça, j'ai ajouté le préamble un peu, là. Ah, je vois que c'est en train d'arriver, là, de mon côté. J'ai le dossier 8-01-23. Alors, attends, je l'ouvre. Ouh, alors, il y a combien, là, de trucs, là-dedans? Merci. Eh, mais... D'accord. Attends, je suis en train de regarder. Dans... Eh bien attends, il y a un truc que je trouve bizarre. Bon, c'est pas grave, je vais adorer ça après. Parce que là, je suis en train de regarder là, ce qui est en train de se charger là. Putain, oui, des photos, il y en a beaucoup. Hein. Pour l'instant, il n'y a même que des photos là qui partent, là, qui sont en train d'arriver là. Et dans le dossier 08-21-23, je vois un autre dossier qui s'appelle 09-01-23. Alors, je sais pas. Peut-être que d'ici que j'ai deux fois le 09, mais c'est pas grave. Il y a de la place, je ferai le tri après. Allez, c'est pas possible, là, on va être à l'écoute, puis la plupart est quand même à reste un peu ouvert, là, même si c'est ceci. Ah là, ça a l'air de passer, là. Oh, oui, c'est un sens unique, parce que moi, je t'entends bien, là, il n'y a pas de problème. Hein. Et oui, je disais donc Nathalie, elle regarde tes vidéos, des fois. Alors, on va en profiter. Qu'est-ce qu'elle déteste le plus? Qu'est-ce qu'elle aime pas? Ah, zut, c'est trop petit. Hein, pourtant, eh bien là, la seconde même, tu vois, là, ça avait pourtant remonté un peu. Ça fait le yo-yo, mais en bas. Oui, mais on n'a pas beaucoup de QRM aujourd'hui. C'est calme quand même sur la fréquence, là. Mais oui, affirmatif, parce que il n'y a tellement pas de QRM qu'il n'y a même pas de station du tout. On n'est que tous les deux, on est seul au monde. Tiens, la propagande remonte, hein, j'entends ça dans le retour. C'est-tu la voix des anges? Eh bien, elle vient de débaucher. Voilà, ça fait là quelques minutes qu'elle est rentrée à la maison. Et vu que je parle un peu fort dans le micro, elle s'est échappée dans le bureau. Et je serais pas étonné que la porte du bureau soit fermée, quoi, pour le coup, pour que j'arrête de lui casser les oreilles. Ah, ça fait le yo-yo. Toi, là, t'étais descendu à... Zut, que je regarde, c'est combien, ça? Ouais, t'étais descendu à Santiago 3, puis là, ça remonte un petit peu. Oui, tu vas voir sur la vidéo, là, quand il le préamp, quand il le préamp, activé, là, tu t'entends, du moment que t'as fait tes films, tu t'entends toujours, quand je l'enlève, là, tu tombes à... Ok, je viens de couper le fil. Oh putain la vache, ça vient de remonter d'un coup là de mon côté là au niveau propague. Là, ah ben c'est pour rebaisser aussitôt. Ouais, j'étais en train de tester justement en coupant le filtre et je pourrais même faire presque sans le filtre. Oui, bon, presque. Pour avoir un peu moins de vue dans les oreilles, là. Et puis, on va
Ouais, parce que j'imagine qu'à chaque fois quand tu sors de la station, tu dois avoir des coups d'acouphène dans les oreilles. Ça doit te faire du bruit là quand même à chaque fois quand tu quittes la station. Bonjour, de la part de Rémi, 14 km 3301, le département de la Gironde. Hey, salut Christian! Ah oui, cette trace. Les 73, Christian, mais tu m'étonnes que ça va bien. Et là, je t'écoute en même temps sur le web SDR de Ottawa. Alors, tu m'arrives aussi fort ici au QRA que tu passes sur le web SDR d'Ottawa, qui est à l'ouest d'Ottawa. Hein. C'est. Ah oui, tu passes aussi fort d'un côté comme de l'autre, Christian. Le petit renard.
Je suis pas passé hier aussi, là, quand tu écoutais parler, je me dis, ça me dit quelque chose de plus de l'art. Mais tu sais, après 7-8 ans, là, des fois, on se demande avec l'art qui avance un peu, si des fois on a des mauvais souvenirs ou si c'est un autre instinct. Quand tu étais, ben, tu le confirmais, puis là, maintenant, t'as une vraie vie aussi. Pour le coup. Ouais. J'avais le BHI qui était sur 5, j'ai descendu à 4. Ah zut. Des fois trop filtré, ça c'est pas toujours bon. Attends, excuse-moi, j'étais en train de regarder vite fait là où c'en était là sur le serveur. Bon, apparemment, je crois que c'est toujours en train de partir. Là, puisque tu parles de petits renards, ça me fait penser là autrefois là dans les années 80 par là quand on faisait des chasses aux renards. Parce que toi, si de ton côté Gilles, vous appelez ça chasse mobile, nous en France on appelle ça les chasses aux renards. Mais le principe est le même hein, de toute façon. Ah oui. La Bretagne. Je crois savoir qui c'est. Pour la petite anecdote. En plus, oui, je crois savoir qui c'est. Parce que j'ai eu un message justement de quelqu'un de ce côté-là qui aimerait bien m'avoir en fréquence. Ah, sur YouTube. C'est sur une vidéo YouTube. J'ai eu un message justement de quelqu'un qui aimerait bien nous avoir en fréquence. Et je lui ai dit que ben, qu'on serait là justement là en ce moment même, quoi. Le marteau piquant qui veut tirer la porte ouvrir. La Bretagne en avant pour la suite du QRVL, s'il vous plaît. Vive la Bretagne. Qui appelle
60 balles à la montagne et ça 60 balles à kilo Mike, et que je me prends, je sais pas compris ton prénom. Hein. Voilà. Et c'est Christian, 14 novembre, Victor, 54 neuf là. En compagnie de ville là. Le 9, bravo. Charlie, 555. 555 et 1000 km aussi, voilà, 0,33, voilà, c'est ça tombé. Voilà, 73, la station qui vient d'entrer avec son prénom, s'il te plaît, retourne-toi, 73. La Bécaro, 14, Charlie Pino, 056, Christian Tolotonico. C'est en train de moduler derrière. Attention à la fréquence, le sud-ouest de France appelle 14 km, 33-24, ciel Bordeaux, Lucelle. Oui, sur le sud-ouest de France, stand-by, s'il vous plaît. J'avais une station là, sur la Bretagne. C'est le même moment que Christian qui est passé en fréquence. La Bretagne qui lui fait une couple de fois qui a fait d'entrer en fréquence. La chef du PRV, s'il vous plaît, pour la Bretagne. Bon, c'est qui est. Oui, je ferme, mais je n'ai pas entendu ton indication. Le Québec. Ok, le Québec pour le sud-ouest de France, la ville de Bordeaux. Oui, on arrive en aval, sud-ouest de France, pour la suite du bord de Bordeaux, je n'ai pas eu 33 pour quelque chose, là, point d'interrogation pour la suite du TRVL, pardon. 9 bravo, Charlie, 555, ville sur le Québec. Je retourne le micro au sud-ouest. Ok, j'ai des opérateurs 14, bravo Delta, 14, bravo Delta, 33-01. Ok,
t'as eu QSL? Il y a eu de la cacophonie là, il y a eu bien trois stations qu'on lançait, qu'on parlait en même temps. La ville de Bordeaux m'arrive tout petit, alors que c'est à 50 km, 40-50 km là pour lui, je vois où il est. Et si on voit BSDR d'Ottawa par contre, ça passe beaucoup mieux. Tout à l'heure, je ne t'entendais pas trop, parce qu'en plus, je n'avais pas monté trop le son. Donc voilà, en fait, voilà, j'ai un appareil, il faut que je l'apprivoise. Donc, eh ben, les bons chiffres à toi, et puis écoute ça pas bien, ça fait plaisir d'avoir des cousins du Canada. Oui, JFL, Gilles, pas de problème, mon ami, c'est bien, c'est ici. La propagation tienne, je vois un petit peu de yo-yo, là, 73-51, des barres pour 2023. La santé, mon ami, au cœur familial. À toi, Didier. Oui, la santé également à tout le monde. Bon, moi, ici, je te prends avec un signal de 7 et une radio de 4 pour moi. Hein. Oui, JFL, Didier. Je vous ai parlé, la clavette au total 14, bravo, Delta. C'est 7, tu peux pas passer ici? Ah, monsieur Renard est parti ou quoi? Opérateur, Didier. C'est Mathieu du groupe 3301. Michel, est-ce que tu demandes toujours à l'écoute de kilomètre 3324? Oui, je vais faire pour 3324, 3324. C'est bien comme un nom, le 14, bravo, Delta. 33-01, pour Didier. C'est noté 5 sur 5, Michel. Tantôt, je me suis trompé, je voulais tourner la partie de ton côté. Je l'avais envoyé à Christian, mais Christian est parti pour le petit café, là, tu le rends. Michel, on a toujours de la reine chez nous. Il y en a tombé un petit peu la nuit passée, là, hier dans la journée, et puis un petit peu dans la nuit, mais pas beaucoup là, d'accumulation au sol. Beaucoup, beaucoup de pluie aussi, du vent, et puis du verglas, de la neige, de la grêle, et puis des températures en
en-dessous de zéro et au-dessus de zéro. Que d'être sur la 14 pour une couple de jours, c'était comme une température pour les petits canards. Là. Là, à droite. Et là, à gauche. Des années sont différentes que d'autres, mais j'imagine que c'est un peu ça la question. Ça a baissé là. Oui, c'est un peu tourné du côté de Didier, puis ensuite on va tourner du côté de Louis Dundee là. Gilles, c'est Didier qui reprend le micro. Ouais, Michel, il t'a tout dit en fait. Hein. Et bon, il fait pas assez froid, mais autrement, on boit un vin chaud. En attendant, on boit du vin normal. Un bon vin de Bordeaux, il n'y a que ça de vrai. Allez, les bons chiffres à toi, puis retour à qui, je sais pas. Ok. Les 73 Michel, les 73 Didier, de 14 km, 33-01 Rémi, voilà du côté de, ben ça tombe mal, du côté de Saint-Émilion, enfin à côté de Saint-Émilion, à côté de Castillon-la-Bataille, voilà de ce côté-là. Oui, 73 Rémi, la cordiale poignée de main, Michel qui reprend, voilà, zigzag 14 km, 33-24, voilà, les 73, voilà, ah ben tu m'étonnes, c'est clair, oui. Je dirais, j'aurais envie de dire que c'est un rayon de soleil qui nous envoie, mais non, pour le coup, là, c'est un peu mal, c'est un peu déplacé, là, comme expression, vu la neige qu'ils ont là-bas. Donc. Surtout que il y a pas longtemps, là, ils ont une tempête de neige et tout, là, de leur côté. Gilles, bravo, Charlie 555 m'a montré ça en photo. Oh, aïe, 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 cette épaisseur de neige qu'il y a eu. Hein. Et 73 retournés. Oui, il y a un break derrière. Voilà, avec la permission de l'ensemble, on va le faire entrer. 73, l'administrateur de la planète civile francophone et aux collègues de travail. Ok, les 73 à toi retournés. Eh bien, Gilles aussi. Voilà, 14 km 33-01 Rémi. Eh ben là, je suis toi. J'ai passé une semaine de vacances, mais comme c'est fatigant les vacances, eh ben là, je passe quelques jours en repos. T'as bien raison, t'en profiter. Je vais bientôt passer en vertical, Rémi. On va pouvoir te casser un peu mieux. Ben pourquoi? Parce que là, t'es en position allongée. J'adore l'humour, c'est nous. On a l'humour dans la sécurité. Hein. Attends, on va repasser le micro sur Gilles. Gilles, j'ai une oreille en même temps sur le web SDR qui est à l'ouest d'Ottawa. Donc là, je suis un petit peu l'évolution de la propague et tout ça, là, en parallèle, en même temps que je te parle, je m'entends un petit peu là sur le web SDR d'Ottawa. Donc là, ça me permet de voir un petit peu où c'en est. Et là, je sais qu'il est temps que je fasse un retour de micro sur Gilles 9 Bravo Charlie 555. Puisque là, je sais qu'il m'entend là-bas. Pour voir si il a des stations à faire entrer de son côté. Ok, c'est étonnant ça, ouais, alors c'est du 41-42 de mon côté, hein.
que là, ça a pas mal baissé. Pourtant, j'ai toujours un retour là dans le WebSDR d'Ottawa, donc la porte est toujours ouverte. Mais toi, aujourd'hui, les stations n'ont pas vraiment envie de se mettre en fréquence. C'est étonnant, ça. Alors que hier avant-hier, les jours d'avant, c'est arrivé de partout. Aujourd'hui, c'est pas top. Bon, alors, je vais faire un retour sur Gilles, 14 kilomètres, 33, non, c'est pas 10, c'est 33, 24, je crois. Oh bah c'est, je l'ai oublié une partie, quoi. 33-10, venu. Je vais repasser le micro à Michel après, Didier. Tant que je te tiens, là, je vais demander à Daniel pour le CSE, pour avoir le chèque de Noël, mais je ne sais pas comment on fait. Je pourrais te passer un coup de fil un de ces jours pour voir si tu sais comment on fait. J'y arrive pas, moi. Pour, ah oui, d'accord, tu parles boulot, là. Attends deux secondes. Fabienne? Attends, j'appelle Fabienne pour voir là comment elle a fait pour avoir le chèque. Non, elle est enfermée. Non, elle m'entend pas là. Elle est enfermée dans le bureau, elle m'entend pas là. Je crois que c'est via que c'est par le chèque cadeau Securitas. J'ai Gilles là en fréquence. C'est directement sur le site. Comment tu l'as eu? Alors c'est sur l'espace, sur notre espace, c'est aucun rapport. C'est directement par le CE. C'est directement par le CE que tu aurais dû que ça aurait dû être fait. On nous l'a envoyé directement, c'est ça? Non? Il faut en faire la demande. Alors, il faut que tu ailles sur Internet, que tu vas directement sur le site du CE. Perso, je connais pas l'adresse. Ok, bon, ben, je vais aller voir. Merci, Rémi. Ouais, je repasse le micro à Michel. Et tu es 100%, et puis merci du retour. Voilà, j'ai loupé un peu la marée, puisque elle était arrivée. Ah, j'y crois de goût. Salut Céline. Hey, Céline, bonjour. Oui, bonjour Céline. Bon, c'est la marée basse ou la marée haute? Voilà, elle te dit bonjour, elle dit, ouais. Elle ne s'approche pas, elle ne prendra pas la pastille. Mais si, il faut qu'elle soit osée. Il y en a un manque d'Y sur les ondes. D'ailleurs, on a un ticket. Attends, elle arrive. Allô, allô. On ne prend pas, là. Oh, ça, c'est une Y mal rasée, ça. Hop, j'entends un appel derrière, du côté, là, qui est en train de passer sur Ottawa. Gilles, c'est pour toi. C'est quoi, Gilles? Non, 9 bravo Charlie 555, je devrais dire comme ça plutôt. Gilles, 9 bravo Charlie 555, j'ai entendu un appel de ton côté. Oui, bonjour Céline. Ça va et toi? C'est jaloux, moi, elle m'a dit bonjour. C'est sûr, je dis bonjour. Tout bon, Céline? Ah, c'est mignon, merci d'avoir répondu. Les parasites ont monté un petit peu. Ah, j'ai monté d'un cran. Bon, le cousin canadien, il est plus là, on l'entend plus, là, Gilles. Eh bien, justement, il vient de prendre le micro à l'instant même. Si, attends, il a attrapé quelqu'un là. Michel aussi, il va attraper quelqu'un.
Ouais, il est en QSO. Ok, reçu. Ok, moi aussi, je vais installer ma caméra maintenant que je l'ai trouvée. Bisous à tous, merci, pas mis sous contact, à plus tard. Sur les ondes. Ok. Ça va, c'est pas même, c'est pas même, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, sur le triple 5, je vais rajouter mon petit bordel. Voilà, ainsi. Attends deux secondes, Gilles. Gilles, derrière, du Québec Canada, je sais pas si tu vas te dire, 73 à l'ensemble, voilà, la cordiale poignée de main, et au plaisir de se réentendre. Ok, bon, au cas où Gilles n'aurait pas entendu, Gilles du Québec n'aurait pas entendu, les stations là, de Bordeaux, tout ça, là, dans ces coins-là, là, du sud-ouest, voilà, ils viennent tous de passer là, en QSY les uns après les autres, et ils t'envoient tous les bonnes 73-51, ils repasseront certainement tout à l'heure. Pas sûr qu'on se soit compris là, qu'on se soit entendu. J'entends plus personne. Ah si, t'es toujours là. Oui, j'entends des... Ah si, j'entends quelqu'un. Eh ben non, c'est moi que j'entends derrière. J'entendais parler un petit peu dans le voix BSDR, mais non, c'est moi. Mais c'est très QRP, hein, c'est la vache. C'est là aussi, aujourd'hui, la propague est bizarre. Et puis les stations sont bizarres aussi, il n'y a plus personne, quoi. C'est... Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui sur les ondes. Ouh, je suis en train de te perdre. Là, c'est bon, t'es comme il faut, là. Là, tu vois, là, bon, là, je t'ai bien entendu, là, tu es comme il faut, là. Je suis pile sur le 27625.00 et moi, je t'entends bien, là. C'est OK, Gilles, Roger. Oh, on dirait que... Alors que je pousse le volume. Alors, si, ça passe encore un petit peu. Oh, c'est... Ouais, non, c'est trop QRP, là. Bon, ben, on verra tout à l'heure. C'est... si ça remonte, tant mieux. Sinon, ben, tant pis. Ça sera toujours ça de prix. Et ça rime. En train de parler de leur côté. Alors, je vais pousser le filtre.
Là, je suis à fond. Ouais. Un peu trop à fond. Je continue à avoir une oreille là sur le 625. Oh la vache! Pourtant, la propague est là, hein. Y a pas de doute. Bon, d'accord, la fréquence est prise. Au niveau kilomac, là, on est en plein contest DX. Activation DX. Et bon. Tout le monde a l'air d'être pas mal occupé, on dirait ailleurs. L'info, on l'a pourtant passé partout. Donc, contexte DX depuis, on est quoi? On est mardi, je crois. Bon, bref, depuis le... Ouais, on est mardi. Alors, depuis lundi 9 jusqu'au 31 janvier, contexte DX, kilomac. RC Kilomac. Ah, j'entends parler un peu derrière. Oh, que c'est très QRP là de mon côté. Ah si, ça passe encore dans le WebSDR d'Ottawa. Oui, ça passe encore, le ciel pas mal en fréquence en ce moment, là. Le ciel pas mal peut-être sur la vue, là, qui est un peu, ben ici, c'est pas mal tout le temps, la Louisiane qui arrive jusqu'au côté ici, là, c'est putain, tu m'as cassé les oreilles au passage. Ouais, Santiago 7. Ah bah si c'est en Alpha Mike, je vais descendre aussi en Alpha Mike. Hein. Enfin, je vais basculer aussi en Alpha Mike pour voir si je l'entends. Oui, c'est ça, là, sont un peu... Ok, je bascule en Alpha Mike. Attention Gilles, 9 bravo Charlie, 555 pour 14 km, 3301 Rémi, Dandy 33. Attention Gilles, 9 bravo Charlie, 555. Oh, j'ai entendu mon dans le WebSDR. Attention Gilles, 9 bravo Charlie, 555 pour 14 km, 3301, Dandy 33 qui t'appelle.
Ah ben, j'ai l'air malin, quoi. Il y a quelque chose qui passe. Ok, j'ai suivi le QSO là sur les deux côtés. Oh, ça passe bien là. Ouais, j'entends, ça s'amuse. Gilles, tu m'entends bien là?
Ok, dans le dossier du 8, il n'y a que des photos, il n'y a qu'une seule vidéo là qui fait 800 et quelques mots, là, c'est tout ce qu'il y a. Oui, c'est ça. 812 mots, là, la vidéo. Et tout le reste, c'est que des photos, là, dans le dossier du 801. Ok, bon, si s'il y a d'autres vidéos qui surtout c'est peut-être pas entièrement fini d'être chargé, je sais pas. Je vais attendre. Quand la Popac sera plus là, que tu vois plus la petite animation en haut à droite bouger, tu envoies le dossier suivant là de suite, comme ça je pourrais plus rapidement me mettre dessus. Oh là, il a bugué là. C'est toujours en train de charger, c'est ça? Ok, d'accord. Bon, d'accord, ok. Bon, ben, quand on aura fini avec la propague, tu regardes dans le dossier du 0801. Moi, de mon côté, j'ai vu pour l'instant que des photos. Il n'y a qu'une seule vidéo dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu là apparemment. Mais bon, je regarderai ça tout à l'heure quand la propag sera finie. Et si c'est bon de ton côté, envoie aussitôt le dossier du 0901. Oui, ok, c'est bizarre parce que regarde dans le dossier, là, tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vidéos. Ah, d'accord. Et alors, c'est que c'est pas fini alors? La petite animation doit continuer à tourner alors, non? Je sais pas pourquoi, mais la table est partie, je vais regarder ça. Ok, d'accord. Attends, tu me dis, il n'y a qu'une seule vidéo dedans ou il y en a beaucoup plus? Non, il y en a beaucoup plus. Il y en a comme 12 ou 14 vidéos et l'animation, le petit truc là en haut à droite, la petite animation, elle ne bouge plus. Si ça ne bouge plus, supprime rien au niveau de l'ordinateur. C'est, on verra ça après. C'est à la limite, on se remettra en visio là comme tout à l'heure qu'on a fait, et on reverra ça. Si des fois l'envoi s'est arrêté en cours de route, ce qui est possible aussi, hein. Et bien dans ces cas-là, je supprimerai le dossier là au niveau le dossier, le répertoire au niveau de l'ordinateur, au niveau du serveur, pardon. Pour que tu puisses le renvoyer à nouveau là comme ça doit être. Ouais, ben on verra ça tout à l'heure.
Bon, allez, les stations en fréquence, en avant. Ah oui, en fait, je suis descendu, là, sur la fréquence en Alpha Mike. Je t'ai même appelé dessus. Et personne. Et là, je me suis rendu compte que tu étais resté en USB. Il a bugué. Et il a bugué. Oh, j'ai entendu quelque chose. Oui, parce que c'est un gros bull, un gros bœuf avec une grosse couille. Et on a même des animaux de la ferme avec nous. Oui, 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 oui. Ah, mais ça, c'est, ça fait partie de la région, hein. Il y a des petits poissons, il y a des gros poissons. Oh oui, là, c'est un gros poisson. Non, j'entends aucun retour là de mon côté ou sur le web SDR. C'est non. Là, tout à l'heure, je suis descendu plus bas là en fréquence. Du côté des 40 canaux, par contre, là, c'est actif. Hein. Là, oui, ça bombarde de tous les côtés. J'ai voulu tenter le coup là sur la fréquence des kilomacs, c'est-à-dire 27 325. J'ai vu que la fréquence était prise, j'ai même pas essayé quoi, j'ai même pas tenté le coup, je me suis dit c'est pas la peine pour remonter aussitôt là. Mais en bas, oui, c'est ça bombarde de tous les côtés. Hein. On va quoi? J'ai pas compris la fin. Et on va avoir un conduit de professeur, la porte va s'ouvrir. Ah oui. Là, de mon côté, là, je vois, il y a 14 degrés. Ouais. On pourrait presque bronzer dehors. Mais c'est hallucinant ce vide. D'habitude, il y a toujours plein de stations en fréquence. Et puis là, alors que là, je vois bien que la porte est toujours ouverte. Ben oui, c'est même en train de monter là. Ah, ok, j'ai cru qu'il y avait eu un problème, d'accord. Ok, donc là, t'as vu, il y a toujours le petit truc qui bouge, la petite animation qui bouge, là, ou à droite là, de la fenêtre que je t'avais montré, là. Bon, d'accord, ok. Maintenant, je comprends mieux. Ah oui, oui, bah tu m'étonnes. Je veux pas dire, mais il y a quand même un océan à traverser. Hein. Oui, c'est ça qui arrive avec la partie.
ceux qu'on a, peut-être que le soleil est à 8 ans de prendre une chose en cours de route. L'eau de l'océan, elle est froide. Hein. Donc, c'est sûr que les fichiers, ça doit, les vidéos, ça doit les congeler un petit peu au passage. Oui, en effet. Oh, Gilles, c'est pour toi. Salut les Canadiens. Ah, il n'a pas l'air d'entendre. Pourtant, il est derrière, mais ça n'a pas l'air de passer de son côté. Les 73-51, la station, 14 km, 33-01, Rémi, du côté de Saint-Émilion. Et pourtant, vers le Québec, la porte est ouverte, hein, parce que j'ai en parallèle le WebSDR qui est sur Ottawa. Et là, je m'entends là-dedans. Ouais, il m'a semblé t'entendre passer un petit peu là dedans, là du côté de Ottawa. Là, oui. Et peut-être que Gilles a du QRM, je sais pas. Gilles, est-ce que tu as entendu la station Michel là, qui vient d'arriver là sur le QSO? Oh, le signal a baissé. Oui, affirmatif. Oui, affirmatif. Oh, là, t'es bien passé dedans. Oui, il se trouve à l'ouest à l'ouest de Ottawa. Là, pas très loin, mais alors c'est. Eh bien, si tu vas sur le forum ou sur mes dernières vidéos YouTube, j'ai mis le lien justement avec. Ah, d'accord. Écoute, je suis pas un spécialiste de tous ces interconnexions, hein, si. Je regarderai, avec notre ami Google, on va trouver tout ça. Voilà, pas de soucis, merci. Ok, alors j'ai un nom pour toi, si tu as de quoi écrire, vas-y, dis-moi et je te donne le nom. Ouais, pas de soucis, il y a quand même ça à la station radio, à tout. Ok, ok, alors le nom du WebSDR, c'est Victor Echo 3 Hôtel Oscar Alpha. Espace Ottawa. Alors je répète, Victor Echo 3 Hôtel Oscar Alpha Espace Ottawa. Ouais, merci Gaël, c'est bien pris. J'ai regardé ça là. C'est sur YouTube, c'est ça? Attends, j'ai pas compris. Non, c'est pas YouTube, c'est un WebSDR, WebSDR, WikiSDR, exactement. Voilà, il est sur la plateforme WikiSDR, et c'est un WebSDR qui permet d'écouter en direct. Hein. C'est comme ça que là, pour ma part, je suis en parallèle l'évolution de la propague. Et je sais quand la porte est ouverte comme ça là du côté Québec. Je lance un appel en fréquence comme ça, tac, je me mets sur la même fréquence sur le WebSDR. Je lance un appel et comme là, je m'entends en parallèle dedans. Toutes les conneries que je suis en train de déballer là la seconde même, hachis trois coups, je l'entends en retour dans le haut-parleur justement là du WebSDR qui est sur Ottawa. Ouais, d'accord.
D'accord, c'est une station qui s'est existée au MSR. Oui, c'est intéressant. Ça permet de stabiliser les contacts. Quand c'est d'un côté ou de l'autre, ça passe pas super. Et ouais, de se rediffuser. Oui, d'accord. J'ai bien compris, il n'y a pas de souci pour ça. Je vais regarder ça. Oui, bah c'est bien pratique, hein. Et c'est vrai que en même temps, comme là, c'est souvent là justement là en ce moment, on fait quasiment des QSO journaliers là avec Gilles. Et Gilles 9 Bravo Charlie 555. Donc en même temps, ça me permet de voir si quand j'ai le micro à la main, il y a des stations qui sont en train d'appeler derrière et tout. Quand je reprends le micro, ça me permet aussi de voir si je suis pas en train de surmoduler quelqu'un. Tu vois, il y a quand même un côté très pratique, en plus de voir si la porte est ouverte entre nous, quoi. Ah ouais, bien sûr, mais après, tu dois faire du test. Lui, il écoute le web de Bordeaux, et toi, tu écoutes le web de... le Canadien, il écoute le SDR de Bordeaux, et dans une instance, c'était beaucoup plus près. Et puis, vice versa, toi, tu écoutes celui qui a édité, et comme ça, comme lui, il rentre plus facile, ça permet de faire les contacts comme ça, et par SDR interposé, à qui? Oui, affirmatif, parce que je me souviens il y a quelques années, c'est ce que j'avais fait justement avec en QSO local, grand local. C'était, je sais plus, quand je faisais des QSO de ça le vendredi soir, samedi soir, que je me mettais sur le 27-275, oui c'est ça. Et justement, plusieurs fois c'est arrivé que le web SDR servait de relais. Hein. Je l'entendais pas en direct chez moi, mais je l'entendais sur le web SDR. Et pour l'OM, eh ben, c'était pareil aussi. Il m'entendait pas en direct, mais il m'entendait sur le web SDR. Et du coup, on se faisait des QSC comme ça. Quoi. Ah, mais ouais. Ah, ouais, ça c'est comme s'il y avait un relais, quoi. C'est tout à fait ça. Ok, ben oui, après, là, ça le prouve, mais c'est plus le même principe, quoi. Mais bon, ça permet de faire les contacts comme ça. Ah, oui, ben oui, c'est sûr que maintenant, il y a ce moyen-là, c'est pas mal. Moi, je connais un petit peu celui de Bordeaux, là, j'écoute de temps en temps, mais pour avoir la station de disposer de l'informatique et tout, moi, j'avais un vieil ordinateur, alors ça fait beaucoup de tirades, alors c'est pour ça que j'ai un peu abandonné l'informatique. Il faut mettre un ordinateur portable qui génère moins de QRM radio, quoi, voilà. C'est ça les inconvénients. Bon, ben voilà, au QRA, hein, je suis qu'avec d'ordinateurs portables. C'est vrai que les vieux PC, on a laissé tomber depuis longtemps, et on n'est que sur portable. Et après tout, c'est pas plus mal, surtout que, bon, c'est des portables qui sont assez puissants quand même. Donc, franchement, bon, ça m'amène pas plus, pour ma part, ça m'amène pas plus de QRM que ça. Oui, je sens une petite différence, mais c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que ça pourrait être avec un vieux tromblon. Ah ouais, ben c'est sûr, bon, ça va. Et puis maintenant, je sais pas, il est plus que tu peux être du SDR. Moi, toi, je crois pas que tu es un gros poste, là, parce que tu as un redirbus. Je sais pas si tu es fini, voilà. Je sais pas si ça a l'air bien directeur aussi, mais bon, tu dois tourner vers le Canada, et 7 millions de Canada, pardon, 7 millions et moi, je suis en face du Canada, je suis plutôt en face des Antilles, moi, par rapport à toi. Ok, pas de soucis, ben, merci pour tes infos, ça peut être intéressant. Ok, et eh bien toi les conditions, tu entends un Roger Beep, et eh bien justement, tiens, je sautais sur l'occasion, tu vas comprendre pourquoi je rigole. Alors non, j'ai pas de Roger Beep, là tu dois te dire, il me raconte des conneries, là. Moi j'entends bien Roger Beep, oui t'as raison, mais l'appellation exacte sur ce poste précisément, c'est Standby Beep. Alors pour le poste, là tu vas comprendre de suite, c'est un Yasu FT450AT. Voilà, et c'est le standby beep propre au Yasu qui est enclenché derrière. Ce qui me permet justement, quand il y a des baisses de propag, comme avec Gilles par exemple, de voir quand je relâche le micro, quand il commence à avoir du mal à m'entendre. Ah ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, hein, ça va bien avec ça. Ouais, c'est bien sûr. Ça peut servir évidemment. Pour justement confirmer que tu as relâché le micro, au lieu de dire à toi le micro, là, parce que j'ai un décrochage, là, mais c'est le coup, je vois tout ça.
ok, pas de soucis, David, c'est bon. C'est pratique, c'est vrai, mais après, je pensais que tu avais une base de jumbo ou que tu as stabilisé ou des choses comme ça. Tu vois, ouais, 450, ça fait. Pas de soucis, non, mais très bien, mais tout de suite, je vais continuer et puis je reste sans balle. Ok, ah oui, et puis au niveau antenne, je suis uniquement que sur direct, n'importe quoi, là je dis une connerie, là par contre c'est vrai, je suis uniquement sur antenne verticale, voilà, c'est une vieille Sigma Mantova 8, là, que j'ai, là, qui est pas très haute, là, à 9 mètres de haut, là, c'est tout, hein. C'est, voilà, c'est tout ce que j'ai, là, au niveau des conditions de trafic, hein. Si, bon, le micro, c'est un micro préampli. Mais un vieux micro des années 80, un vieux Pan ECM 2018, pas très joli mais qui marche très bien. Et oui, pour le poste, voilà, c'est le Yazu FT450AT avec le standby beep. Effectivement, c'est un Roger beep, hein, c'est exactement la même chose. Mais t'as des stations pour qui dire Roger beep, ça en fait mal aux oreilles. Alors que standby beep, c'est exactement la même chose. Hachi. Et donc, ouais, voilà pour moi le niveau des conditions de trafic. Alors, je sais pas si Gilles est toujours derrière la porte, on va bien voir. Je vais lui retourner le micro pour voir. Ben, s'il répond pas, c'est que, bon, ben, la propague s'est fermée au niveau de sa porte. Parce que là, je m'entends toujours en retour là, sur le web SDR d'Ottawa. Retour, Gilles. Ok, ben c'est quand même du 52, ouais, 42-43 hein, quand même, là au QRA. Hein. J'ai repassé le micro à la station, c'est Michel, oui c'est ça, oui. Oui je crois que c'est ça. Je vais lui repasser le micro pour voir si s'il était entendu. Ah oui, il n'y a pas de problème, j'ai entendu là. Je l'entends, la musique. Je ne sais pas si j'ai eu le plaisir de le contacter déjà. Mais moi, je ne connais pas très bien le Canada. Hein. C'est Québec, Canada, tout ça, toute cette région, c'est difficile. Hein. Il y a eu pas mal d'amis, là, on ne s'entendait pas du tout. Hein. Donc, j'avais une 4 éléments en 99. Elle est tombée avec la tempête, je ne l'ai jamais remontée. Hein. Donc, je suis toujours resté comme ça. Et puis là, j'ai dit, ouais, ça m'a bien, là, Mantova, là, Mantova, je sais pas comment, celle que tu utilises, Dani. Voilà. Mais par contre, notre ami Gilles, il doit avoir la grosse antenne silicone quad de 10 éléments, avec un pylône de 50 mètres de haut. Parce qu'ils sont écoutés là-bas, les OM, hein. C'est pas des rigolos, hein. Ils ne vont pas de même mort, ça triche. Voilà. Ok, Gilles, va te jouer. Ben, j'espère aller là-haut, là, elle est pas. Il est midi par chez toi, ou un peu moins, je pense. Ça approche de midi, je pense. 11h20. Ça va être bientôt l'heure de 11h, oui. 11h20 chez lui. Là, j'ai l'été à toi. 11h20, 11h20. C'est 17h20, je crois. C'est ça, mon ami. Affirmatif, c'est bien ça, il est 11h20. Oui, Gilles est sur un pylône, mais il est qu'en antenne verticale, hein, c'est tout, hein, c'est une. Qu'est-ce que t'as déjà comme antenne? J'ai oublié le nom, Gilles. Oui, d'accord, ça veut dire que t'as rien compris. C'est quoi déjà comme antenne que tu as là? Tu es sur antenne verticale uniquement, ça d'accord, je le sais. Mais c'est quoi déjà ton antenne? C'est une... j'arrive plus à trouver le nom de ton antenne. Oui, IMAX 2000. Ok, une IMAX 2000 à 17 mètres de haut. Ok, bon, ben voilà. Ah, ouais, d'accord. 17 mètres de haut, c'est pas mal quand même. Ouais, ben, une IMAX 2000, je sais pas ce que c'est. Je connais pas toutes ces antennes, mais ouais, ça arrive, hein, il y a un peu de propague là, apparemment. Donc, pas de soucis. Bon, mais je vais continuer ma petite balade. Je vous remercie pour le contact et puis bonne appétit à toi, Gilles, pour tout à l'heure. Ah, je sais pas si vous mangez à midi. Nous, on mange à midi à peu près. Ah si, voilà, je te laisse avec le fait que vous avez là. À très bientôt, cousin. Ok,
Oh, j'ai entendu quelque chose passer là. Il y a un truc à double bip là que, qui est passé là en fréquence. Mais oui, quelque chose comme ça. Oui, c'est, je sais pas, c'était tellement bref que j'ai pas eu le temps de d'identifier l'OVNI. Ah. Ah oui, voilà. Non, c'est pas du RTTY. Pascal, ok. Ça marche bien, ça marche bien. Les 73 Pascal de la part de Rémi, 14 km, 3301 sur le sud-ouest France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. On dirait qu'il y a des problèmes avec cette station. Là, ce coup-ci, la porte est en train de se fermer. D'accord, la propague a tourné de ce côté-là, alors. Parce que là, je m'entends pratiquement plus, ou presque plus, sur le web SDR d'Ottawa. Ouais, c'est très très QRP. Toi, c'est pareil, je t'entends quasiment plus dessus non plus. Gilles, si j'arrive à m'entendre encore un petit peu, mais bon, c'est vraiment très très QRP. Gilles m'est arrivé là au dernier passage Santiago 1, Santiago 2, donc là, oui, c'est en train de tourner. Il a assailli d'appels de son côté, ouais.
Bon, si tu m'entends, Gilles. Ok, si tu m'entends. Je vais passer en. Attends, c'est en train de faire un effet d'écho, là, pour le coup. Ouais, je vais t'envoyer les bonnes 113-51, Gilles. Et bon, pour la suite, là, on se tient au courant, il n'y a pas de souci. Et bonne continuité de QSO, puisque la propague va tourner de ton côté, là, sur d'autres départements. À plus ou à tout à l'heure, Gilles. Ok, bon, je passe en QRT, les 73, la station. Gilles, là, je l'ai deviné derrière, mais bon, ça passe plus comme il faudrait. Les 73, bon QSO de ton côté également. Et il est parti. La Bretagne, Ouest-France, signal, gestion en stand-by, écoute. Et il passe partout, là. Département du Morbihan, dans Bretagne, ouest de la France, QRZ. T'es pas reconnu, c'est Christian, c'est lui tout à l'heure là, j'étais à mettre le café à chauffer, mais je suis reparti entre temps, hein, t'inquiète pas, le café était chaud avant. Hein. Ouais, c'est 14 charlie kilo 0,56 Christian, mais j'ai tout à l'heure, il y a une petite heure. Mais bon, t'as dû faire des QSO depuis. Voilà, est-ce que tu es QSO? Tu es seul, hein, ben, tout à l'heure, ouais, c'est vrai que je suis parti, je fais le café, et puis après, j'entendais beaucoup moins bien, je ne vais pas les embêter, je suis parti avec Jean-Claude Nogaro, mais je crois qu'il avait déjà fait cuisson avec toi juste un peu avant. Et je lui dis un petit coucou, bonjour, et après je suis reparti. Et bah donc me voilà revenu, et puis je ne savais pas qui t'étais non plus, mais il n'y a pas de souci, Gilles, tu vois, on se retrouve. Ah ouais, toujours. Mais parce que quelle heure est chez vous là, je sais pas, je crois qu'il s'entend dire que tu allais manger, il me semble. Il est autour de 13h peut-être chez vous. Attends, quelle heure il est chez vous? Il est 12h30 chez vous peut-être? 11h30. Non, tout ça fait de Gilles, c'est ça, c'est les 17h34, mais je ne savais plus combien d'écalage il y avait entre nous. Voilà. Oui, bah non, là, ça passe bien, là, par rapport à tout à l'heure, j'ai moins de QRM, moins de stations aussi, je ne sais pas, c'est du Maritain 58-59, là, il n'y a pas de souci, nickel. C'est remonté de mon côté.
Affirmatif, c'est, bah, du coup je suis avec QRT, mais bon c'est remonté. Oh là, oui, tiens, je suis obligé de baisser le volume du web SDR tellement que ça passe fort. Donc les 73-51, Christian là, du Morbihan, je ne sais pas s'il m'entend. Voilà, de la part de 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33 sur le sud-ouest de France, à côté de Saint-Émilion. Non, moi je n'ai que toi, Gilles. Hein. Moi je n'entends personne d'autre. Il n'y a pas un chat. Il n'y a que toi. Donc je te laisse. Hein. Vas-y, fais un petit cuisson avec Rémi. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi je suis derrière. De toute façon, je vais faire quelques petits papiers. Là. Donc je casse les oreilles. Tu peux converser avec lui. Au contraire, il n'y a pas de souci tant que ça passe. Voilà, Gilles, mais je reste derrière. On est en contact presque tous les jours, alors je crois que c'est pour un peu tout le monde. Hein. Christian, je n'ai pas de soucis. Ça va, les 73-51, la part de Rémi Cossi-Trambois, le 14 km, dans le pour toi, Christian, le QSL, parce que si tu ne l'entends pas, alors j'en profite pour partager la QSP. Alors j'entends pas, mais tu lui ramènes tout ça, il n'y a pas de... juste une question, je faisais un petit cuisson tous les jours vers 16h chez nous, avec Daniel. Daniel, je suis en train de chercher ici, je ne le retrouve pas, mais je vais sûrement le retrouver, je te dirai tout à l'heure. Son indicatif, hein. Bon, après, voilà, le Québec est grand, te dire où il est exactement, comme ça, je sais pas, mais je vais taper son nom, je vais le retrouver. Je ne l'entends plus, voilà, mais bon, peut-être que vous ne connaissez pas non plus, voilà, fais autant de micro, Gilles. Eh ben, justement, je suis en train de chercher, je vais te dire ça de suite, parce que je ne sais plus son indicatif, mais je vais te donner son indicatif, Daniel, voilà, le voilà ici. Alors, j'ai marqué Montréal, moi, c'est 9 Charlie Yancy 024, ça te dit quelque chose? Donc je répète, 9 Charlie Yancy 024. Non, c'est parce qu'on a une... disons que son papa est né à 20 km de chez moi. Voilà, c'est comme quoi le monde est petit, hein. Lui, il n'a jamais connu ici. Je crois pas, d'après ce que j'ai compris avec lui, il est né là-bas. Mais donc son papa a dû partir de bonne heure, de partir chez nous. Et comme par hasard, quand je lui dis mon département, ma ville, il m'a demandé si je connaissais la petite ville à côté. Quoi. Je dis oui, bah, ici, mon papa est là. Alors tu vois, c'est pour ça que j'aimais bien faire mon petit cuisson avec lui tous les jours. On avait plein de petites habitudes parce que pour nous ici à 16h je prends le petit café, bah, comme tout à l'heure, et j'arrive à me choper. Mais bon, après, voilà, il y a la roumaque, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que je voulais savoir si tu le connaissais. Voilà, tu entends le micro. Oui, c'est un merci de retour. Peut-être que je vais avoir la chance de causer les antennes avec, peut-être pas un petit cuisson si la dame va pas nous le faire, mais bon, à un moment donné, c'est bien. Ça tourne beaucoup. Et puis bah, il suffit que peut-être qu'il bah, il tourne toujours en fréquence, mais peut-être pas à mes horaires, la propague n'est plus sur lui ou sur moi à cette heure-là, j'en sais rien. Voilà, bon mais c'est pas grave, hein. je le retournerai sûrement. Enfin, j'espère, voilà. donc bah non, bah, c'est tout. Bah, peut-être passer le micro de retour sur Jérémy, tu m'as dit, hein, je ne sais pas si j'ai pas bien saisi tout à l'heure. Je ne suis pas tout sûr. Lui a donné ses chiffres, mais les bons chiffres, mais je ne savais pas si c'était pour le bonjour ou le au revoir, donc
Et bien, s'il est toujours là, tu peux tourner, comment j'ai là. Toujours là. Ouais, et heureusement qu'il y a le web SDR d'Ottawa. Hein. Parce que, attends, je suis en train de... Attends, voilà, je le baisse. Parce que sinon, je l'entends pas en direct. Hein. C'est, ça passe pas du tout. Mais il passe super bien de ton côté, là. Enfin, du côté d'Ottawa, c'est du téléphone. Hein, que, de la façon dont je l'entends, là, sur le web SDR. Bon, apparemment, toi, Gilles, tu m'as perdu, là. Ah, ok, ben, j'ai pas entendu qu'il y avait du monde aussi, là, de ton côté. Oui, c'était Christian, 14 kilo, 056. Ah oui, non, mais je croyais que toi tu entendais d'autres stations que moi j'entendais pas. C'est ce que je voulais dire. Si, lui, Christian, je l'ai entendu, là, il n'y a pas de problème. Hey, QSL. Eh hey, tiens. Et revoilà. Ah, tu pourrais te retenir, Gilles, quand t'as des gaz comme ça. Hein. Oui, mais ça fait du bien. Ah, tu m'étonnes qu'il est sorti, gros. Ouais, est-ce que c'est toujours en train de charger sur le serveur, là, de ton côté? Ok, je vais regarder ça. Gilles, si tu m'entends, alors je vois 1, 2, 3, je vois 4 vidéos. Là, oh, ça passe petit, je suis pas sûr que tu m'entends là. Je vois 4 vidéos là pour l'instant dedans. Oh, que tu passes bien encore. Ouais, alors est-ce que tu... Non, tu m'as pas entendu. Je disais que là, pour le moment, je vois 4 vidéos dedans. Oh putain, oui, il y a du brouillard. Et sur les ondes aussi, il y a du brouillard. Tu repasses à nouveau au QRP. Hein. Allez, Santiago 1, Santiago 2. J'allais dire, je m'entends plus sur la BSDR, c'est normal, je l'avais coupé.
C'est, ça passe QRP là de ton côté, ouais, effectivement. Bon allez, il est 17h45 de mon côté, midi moins le quart du tien. Ça va être l'heure pour toi de commencer à te rapprocher de la table. Quoique, je sais même pas, je suis pas sûr que tu manges le midi, toi. Je crois que tu restes à la station, que tu bricoles. Bon, bref, je vais te laisser là, ce coup-ci, là, Gilles. Je t'envoie les 213-51. J'attends de voir la suite, là, comment ça se passe là, sur le serveur. Et dès que tu vois que de ton côté, ben c'est bon, parce que ça doit encore tourner, si ça se trouve, là, de ton côté, là. Ça doit être encore en train de charger sur le serveur, à tous les coups. Et dès que tu verras dans l'après-midi là ce que ça donne, eh bien, tu n'auras qu'à m'envoyer la suite. Hein, voilà, on va faire ça comme ça, quoi. Sinon, ben, tu me rappelles en visioconférence et puis on revoit ça à nouveau. Ah ben alors là, je l'ai perdu là ce coup-ci. Là, il m'entend plus. Ok, bon d'accord, je vois que ça a tourné, je sais pas si c'est le Brésil ou l'Italie ou je sais pas. Mais là, ça a tourné, ouais, je passe encore très très QRP là-dedans. Les 73-51 Gilles, et à plus tard. Ok, c'est passé, d'accord, ça marche, à plus tard.